les amis, on dit que l'inspiration vient en cuisinant. C'est ce qui vient de m'arriver. J'étais à faire des confitures de fruits rouges. J'avais mis la recette l'année dernière. Oui, en 2017. Vous avez la recette de mes confitures aux fruits rouges. Et tout à l'heure, je me dis, tiens, je vais aller ramasser mon basilic thaï. Il est en fleurs. Je l'enlève. Comme ça évite qu'il fasse des graines et il s'étoffe encore plus. Et je mets mes petites baies rouges dans mon confiturier et d'un coup, je sens mes mains qui sentaient le basilic. Ah, je me dis, mais confiture aux baies, fruits rouges, basilic thaï, ça peut être une association assez intéressante. Du coup, aujourd'hui, je vous fais des confitures aux baies rouges du jardin et au basilic thaï. J'ai dans mon confiturier 1 kg de fruits, des fruits que j'avais cueillis cet été et congelés au fur et à mesure. Là, on a du cassis, de la framboise, de la groseille, groseille à maquereau, quelques fraises. J'ai 1 kg de fruits et j'ai mis 600 g de sucre blanc. Sans oublier le demi-jus de citron. Alors, on laisse bouillir. On met une assiette au congélateur et on laisse cuire et puis on essaiera avec la petite goutte pour voir quand notre confiture sera cuite. Ma confiture est cuite, ma goutte fige. Alors, je vais commencer à ajouter mon basilic thaï. Alors, attention, le basilic thaï, c'est très très fort. Je vais en mettre 2 pincées comme ça et je pense que ça sera amplement suffisant. Je le mets à la fin, j'éteins mon feu, je ne le fais pas cuire et on va pouvoir procéder à la mise en pot. Je vais laisser infuser un tout petit peu, 5 minutes et après on met en pot. Ça y est, j'ai fini. J'ai fait 3 jolis pots comme ça. Avec des petites étiquettes maison. C'est toujours plus joli dans le placard. Et voilà l'aspect de ma confiture. Elle est sublime. Les fruits rouges, ça cuit vite. Il y a beaucoup de pectine, c'est super. On va se la goûter sur du pain beurré. Ça va être trop miam. Je la goûte toute seule aussi. C'est bon, c'est subtil. Voilà. J'attendais d'avoir le goût du basilic. Il est là, en arrière-bouche. Hyper bon. Allez, c'est la bonne saison pour les confitures, hein. Allez-y, allez-y, à fond, à fond. Remplissez vos placards pour les petits-déj du week-end, quand on a un petit peu de monde. Pour les enfants, les petits-enfants. Confiture maison, c'est le bonheur. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis au revoir et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!